Attendez, là, j'ai une petite lampe qui vient. Savez-vous pourquoi je suis triste aujourd'hui? C'est ma dernière vidéo. Attends, j'ai une petite chanson qui s'en vient. Mes chers spectateurs, je pars. Je vous aime, mais je pars. Je n'aurai plus de vidéo aujourd'hui. Aujourd'hui. C'est sûr que ma spécialité, c'est la danse. C'était pas sûr. Je suis triste, mais en même temps, je suis joyeuse parce que c'est une vidéo. Et puis, je veux pas vous ennuyer en pleurant pendant tout le long. Aujourd'hui, dans l'épisode 12, la dernière émission, dans la série web, je danse ma vie. Je vais vous parler de ma vie après la France, un incroyable salle. Après avoir pensé à l'émission La France, un incroyable talent, je me sentais comme une star. J'étais dans la radio, réseaux sociaux, journal, j'étais partout. Et là, je me sentais aimée par tout le monde. Je me sentais félicitée tout le temps, tout le temps. À chaque fois que je passais à quelque part, il y avait tout le temps quelqu'un qui me félicitait. Si tu as un petit Ophélie de passer à la France de l'Équateur, ben oui! Tu sais, tout le monde me félicitait. Ophélie qui se prenait pour une vedette. Après 2 semaines, je me sentais plus comme avant. Plus comme avant d'avoir passé à la France avec un talent. Sur le coup, tout le monde te félicite. Mais après, il y a quelqu'un qui fait un autre travers super cool. Puis tout le monde se projette sur cette personne-là. C'est pas grave, c'est la vie. C'est pour ça qu'il faut enchaîner à d'autres choses après. Continuer à travailler pour essayer de repercer. Si t'as fait quelque chose une fois, là, faut pas arrêter. Faut continuer. Faut avancer encore. Faut avoir fait plusieurs fois pour développer une carrière. Moi, après la France a un incroyable talent, je me sentais une star. Je me sentais très bien. Je suis sûre que si moi je suis capable de faire ça, vous êtes capable. J'ai 9 ans. Peut-être la personne qui le regarde, elle a peut-être 18 ans. Elle a peut-être plus de force, puis elle est peut-être capable de faire plus de choses. Alors, preuve que tout le monde est capable de faire ça. Je veux vous dire que vous êtes extraordinaire. Tout le monde a quelque chose d'extraordinaire en dedans, une chaleur, une boule d'énergie, que tout le monde fait qu'on est différent. Tout le monde pourrait faire comme moi. Il suffit juste de travailler. On finit, je trouve que t'es super bonne. C'est vraiment hot ce que t'as fait à la France avec Royal Talent. Puis je suis sûre que tu vas pouvoir aller encore plus de l'avant. Moi, j'ai fait cette vidéo-là, ou plus cette vidéo, parce que je voulais vous inspirer, je voulais vous motiver à faire des choses que moi je suis capable ou que vous êtes capable de faire. Quelque chose en lien avec peut-être votre passion. Essayer de vous faire rire. Ce sujet relève de l'expérimentiel, donc non logique. Alors, je ne suis pas très utile. Vous montrer à quel point, comment on peut faire des choses que t'as pas l'habitude de faire, se dépasser, qui dépassent nos limites et qui fait qu'on peut s'améliorer, avancer. Petite révérence de ma dernière vidéo.
c'était ma dernière vidéo. Ben, j'espère que vous allez l'aimer. Bisous, bisous, gros bisous à mes spectateurs. Cliquez j'aime surtout parce que c'est la dernière vidéo. Hein. Clic, clic. Abonnez-vous. Wow, wow, wow. Wow, attendez, non, c'est pas fini. Il y avait 20 mots à dire. Dernière chose, je vous promets, hein, les caramels romains. Dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé la vidéo, la série. Écrivez-moi ou dites-moi si vous voulez une deuxième série. Dites-moi les sujets que vous voulez que j'aborde. Alors, c'était la dernière vidéo. Bon, vous avez manqué. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous et écrivez-moi un message. Dites-moi c'est quoi votre passion. À la prochaine. Peace, guys.